Voilà, donc bonsoir Dominique et bonsoir Astrid. Tout à fait. J'allais dire Bonsoir. Gaëlle, c'est mort. Bonsoir. C'est Voilà. le blanc, ça. Oui, bon, c'est surtout la fatigue. Non, ben ça va. Donc Dominique, c'est pas ta séance, c'est celle de ton mari, c'est ça, Pascal. Hein? À fait. Voilà, donc Oui. qui n'est pas présent, mais qui on a pleinement son accord pour faire le travail sur lui. D'accord. Oui. Ah, Oui. c'est ce que tu... D'accord. C'est ça. Tout à fait. C'est bien ça. Donc, Astrid, ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels il veut travailler. Oui, ok. Moi qui fais la liste. Alors, Hein. ta connexion est mauvaise, hein. Ah, Ouais. on n'entend pas bien. Bah, disons que l'image n'est pas Ça va belle, des aller? fois ça coupe, mais bon, on va voir, vas-y. T'as fait une Ok. liste comment elle passe? Pas trop long, je pense qu'il y a pas mal de points qui se recoupent. Alors, Il y a des petits problèmes de il vaut santé. mieux que tu c'est mieux que tu synthétises toi, parce que je n'ai pas marqué 20 ou 25 points. Il faut que tu me fasses une dizaine de points si tu veux en synthétisant. D'accord? Ok. Oui, Pascal, en fait, il a perdu son père, il avait 4 ans. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui ne sait pas, qui sait pas exprimer ses sentiments. Hein. Il ne sait pas non plus créer des liens. Il est souvent en colère. C'est une colère interne. D'ailleurs, il a des soucis au niveau de la tête. Attends, tu vas trop Il fait vite. de la. Excuse-moi, tu vas trop vite. Je n'ai pas le temps de noter. Hein. J'en suis, il ne sait pas exprimer ses sentiments, tu vois, et créer des liens. Voilà. Là où j'en suis. Voilà. Alors après, je te dirai. Okay. Voilà, donc j'ai retenu qu'il a des colères. Hein. Les colères internes. Comment? C'est interne. Il se met rarement en colère comme ça avec les gens. Il est Ah, c'est intérieurement en interne. Ah colère. oui, c'est vrai que le son n'est pas génial. Hein. Donc, je vais être obligé de te faire répéter souvent. D'accord. Des colères internes. D'accord. OK. Donc il a des soucis donc au niveau de la tête, il fait de la tension, et notamment de la tension oculaire. Oui. Il a très souvent des orgelets à l'œil droite et des maux de tête, et ça depuis tout petit, des maux de tête. Il a le visage qui est souvent très rouge et avec un tremblement de la tête. Donc il n'a pas Parkinson ni rien. C'est juste, je sais pas ce que c'est, ça. Un tremblement, c'est ponctuel. Et il est très sensible au bruit. Ça le perturbe beaucoup, les bruits de restaurants, les bruits de concerts. Ça le perturbe. Oui. C'est quelqu'un de très négatif, hein, qui voit rarement le côté positif des choses. D'accord. Il manque de confiance en lui. Oui. Il est assez en retrait au niveau de la famille, il discute rarement avec les autres. Quand on a fini de manger, hop, il se réfugie devant la télévision. Voilà. D'accord. Bon, il OK. n'aime pas les gens, en fait, en général. Hein. Je ne Comment? sais pas J'ai si pas c'est que compris. ça ou quoi, mais il n'aime pas les gens. Il aime pas les N'aime gens, pas ouais. les gens. Il dort beaucoup, il est très vite fatigué. Oui. Il a une rigidité corporelle et ça depuis petit. Il a toujours eu du mal à mettre ses chaussettes, par exemple. Depuis petit aussi. D'accord. Il s'est fait opérer la cheville gauche il y a 20 ans et il en souffre encore. En fait, il s'est cassé le pied.
Pied gauche et l'ascenseur. OK. Il y a quelque chose d'intrigant, c'est qu'il rêve en fait de moi au moins, en moyenne, 2 fois par mois, et ça depuis presque 35 ans. Tu as disparu, Pascal. Moi, je suis là. Je Oui, suis là, moi. d'accord. Ok, Et tu quand veux il rêve de revoir? toi, oui, quand il rêve de toi, il rêve de quoi? Les situations sont diverses. Soit il me cherche, soit je suis là et on s'entend bien, soit enfin bon, c'est, soit on se D'accord. Il y a dispute. toute situation, quoi. D'accord. Toute situation. Oui. Ok, il rêve de toi. Voilà. Ok. Oui, c'est particulier. Il a un compteur LinkedIn. La semaine, en fait, il vit dans la région parisienne et il a un studio. Donc, il a un compteur LinkedIn dans son studio. D'accord. Voilà. Lors d'un jogging, il a eu un malaise, en fait, il va y avoir à peu près un an. Savoir qu'il a un souci au cœur, tu vas rarement chez le médecin aussi. D'accord. Et puis les deuxièmes hémorroïdes Comment? hémorroïdes Ah, aussi. hémorroïde. D'accord. Ok. Voilà. Que c'est pas mal déjà. Ouais, d'accord. Bah si c'est bon, tu m'as donné l'essentiel, en fait, là. Tout à fait. Bon, bah écoute, super. Et de toute façon, même s'il y a des choses qui ne sont pas dites, avec le travail qu'on travaille sur le plan général, et du coup, il y a plein de choses qui vont bouger, hein, tu vois. Oui, d'accord. Ok. Super. Bon. Eh bien, écoute, je vais t'inviter à couper le son. Tu sais Oui. faire la Alors, partie du bas, hein. attends. Ah, elle a coupé la Ah, caméra. ouais. Attends, bah, je vais couper là aussi. Je coupe aussi, hein. Non, alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 130. 130. Ok, tu peux l'augmenter. Sept mille cinq cents. 7500. D'accord, connecte-toi à moi. Dis-moi combien tu me vois. 165. Je m'aligne sur toi. Aligné. Très bien. Alors à présent, derrière ton plexiglas, comme devant un écran de cinéma, tu te connectes uniquement avec le canal visuel et tu te connectes sur Pascal. Et dis-moi comment tu le vois. Je le vois de dos. Il est en position assise. Oui. Il a le dos voûté. Il est plié en deux en fait, avec la tête complètement entre les jambes, qui touche presque ses pieds. Comme replié sur lui-même en fait, avec la tête entre les jambes. D'accord. Comment tu le trouves? Je le sens complètement. C'est ça, il y a ce sentiment de recroquevillé sur lui et je sens une grande crispation. Il est maintenu dans cette position par une grande puissance. Je vois comme des mains qui lui appuient sur la tête en fait pour le laisser dans cette position. Quand tu Je dis le une vois grande dans. puissance, Oui. oui. C'est quoi cette grande puissance?
Ça fait comme des grosses mères avec des grands bras. C'est une image, je pense. Bon, on verra tout à l'heure. Dis-moi tout ce Oui. que tu vois et nous verrons. Oui, je le vois dans cette position, mais c'est une position qui paraît pas possible en fait, parce qu'il n'y a pas de chaise, il est assis sur rien. Donc, c'est comme si ça créait toutes ces contractures-là. D'accord. Cette contraction que je sens là, comme s'il était en fait statifié, ouais, c'est le mot, rigide. D'accord. C'est sa partie subliminale, ça? Comme pétrifié, oui. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Et je vois que autour de lui, il y a comme une coquille, comme en verre, je dirais. C'est pas vraiment du verre. Hein. En vérité, si je m'approche, mais on va dire que c'est transparent. Et cette coquille, c'est plus une coquille énergétique en fait, qui ressemble visuellement au verre. Bien Elle, sûr. c'est comme s'il était enfermé là-dedans en fait. Y a rien qui rentre et rien qui sort. C'est comme s'il était hermétique en fait là-dedans. Comme D'accord. s'il pouvait rien entendre, rien voir, rien dire. Il n'y a rien qui sort en fait de cet espace et il n'y a rien qui rentre non plus. OK. N'y a aucun accès. Il semble n'y avoir aucun accès sur l'extérieur. Même pas sur l'intérieur de lui-même en fait. Je vois toujours ses mains là, qui lui appuient sur la tête. Alors maintenant, si tu te connectes sur la partie physique, connecte-toi sur la partie physique et sur tous ses corps Alors là, et je le vois de face. Il est comme ça, la tête entre les mains. oui. Bah, il va rester comme ça. D'accord, il veut pas se montrer. On dirait qu'il veut pas parler avec moi en fait. C'est plutôt ça. C'est comme s'il voulait pas parler avec nous pour l'instant. D'accord. Ok. On regarde dans ce Je qu'il y a quand même tous ces vois, corps. Ouais. oui, je vois au niveau de sa tête. Je vois des implants comme des pastilles, deux pastilles rondes au-dessus de sa tête, sur les côtés là. Je les vois dans son corps mental. J'en vois deux au niveau de sous ses pieds aussi, le même type de pastilles qui semblent envoyer des ondes électriques. Ou D'accord. électromagnétique. Je vois aussi au niveau de son corps émotionnel ce sont des implants, je n'ai jamais vu comme ça. Ça fait comme si ça tournoyait à l'intérieur de son corps émotionnel, comme un peu des fils ou des longs verres qui tournoyaient autour de... et qui créaient un flot de perturbations permanentes en fait. D'accord. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème tout ça, regarde. Ah ben, ça lui crée des limitations en fait, des limitations à tous les niveaux, j'ai envie de dire. D'accord. Il est plus comme s'il n'était pas en capacité de rentrer en contact L'extérieur. avec ses, même avec ses corps supérieurs, quoi, Ah oui. et encore moins avec l'extérieur. Et ce sort de serpent de verre là dans le électrique dans le corps émotionnel
comme il tourne en permanence, en fait, ça laisse jamais. Il semble être tout le temps perturbé, en fait, par ses émotions. Il n'y a jamais d'espace de pause. Jamais de temps de pause. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Ces pastilles que je vois aussi à ses pieds, elles sont, avec celles de la tête, elles sont reliées en fait, elles traversent et elles créent comme un champ électrique en fait en lui, qui bah, toujours pareil, qui, c'est comme si ça coupait toutes les ondes d'énergie. C'est comme un champ magnétique en fait qui repousse toutes les énergies positives. C'est ça. D'accord. Ok. Et ça traverse tout son corps. Est-ce que tu vois d'autres choses? Au niveau implant, je vois rien d'autre. D'accord. Donc il n'y a plus rien à voir là. Alors, identifie-le, regarde son ADN éthérique et dis-moi si c'est bien lui. Oui, c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. C'est comme s'il y avait un petit point en lui qui acceptait. D'accord. Une toute petite part de lui. Eh mais ben, tout le reste ne s'est pas prononcé, mais il y a de suite cette petite part qui s'est prononcée. Tout eh ben, c'est... Oui, c'est sa part de conscience. Hein. Mm-hmm. Le oui. reste est inconscient. Donc, c'est d'elle dont on va tenir compte. Mm-hmm. Ok, on a son autorisation, donc pas de souci. Donc, en son nom, on va convoquer toutes les entités qui sont en lien avec lui, direct ou indirect. Je compte à trois, et qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Alors, qui vois-tu? Je vois de chaque côté de lui. Je vois des entités, des grandes entités. Je crois que c'est des Dracos. Je crois que ça s'appelle comme ça. D'accord. Ils ont on sent une grande puissance même corporellement. Mmh. Il y a du volume quoi. Il y a vraiment de la présence. Derrière lui, je vois en demi-cercle en fait qui rejoignent ceux du côté. Je vois des reptiliens. Il y en a 10. Ah oh, carrément. Oui. Ok. Et donc ça fait comme ce demi-cercle là. Et devant, oui. Je vois rien. D'accord. Ok. Si tu regardes en arrière-plan. Il y a un grand vaisseau qui m'apparaît. Un grand vaisseau. Oui. Un immense vaisseau en arrière-plan. Qui sont les habitants de ce vaisseau? Les reptiliens. Reptiliens. D'accord. Très bien. Je les vois directement reliés, oui. Bon, ben alors en son nom, on va déclarer en son nom qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Donc sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création. On ouvre un grand portail dimensionnel et ils s'en vont tous avec tout ce qui leur appartient, tous les implants, systèmes, dispositifs, et ils emportent avec eux tout ce qui n'appartient pas aussi à Pascal. Je compte à trois et tout le monde dégage. 1, 2, 3. C'est marrant parce qu'il n'y a eu aucune résistance en fait. Ça a été très facile. C'est comme s'ils partaient en disant de toute façon, ils ne nous intéressent plus. C'est comme s'il n'y avait plus rien à tirer, quoi. Plus de jus, ouais. Ok. Bon, ben, c'est déjà bien. Très bien. Maintenant, tu scannes tous ces corps. Regarde s'il reste des dispositifs, des pastilles ou autres.
Non, je vois rien, je le vois qui ressort sa tête comme ça. Ah. Timidement, mais Très bien. il sort la tête de ses mains, oui. Bon, propose-lui de se connecter à son essence. Et s'il n'y arrive pas, tu l'aides. Il y a tout son corps qui vibre, mais c'est comme s'il savait pas comment s'y prendre. Ok, tu peux l'aider? Oui. Oui. Il est connecté, ça lui fait comme si ça l'aveuglait d'un coup, cette lumière. Normal. Il faut qu'il s'enracine aussi. Il se crée Oui. des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Et il les programme juste pour cette existence. Et il va se nourrir de ces deux énergies. Il va faire l'équilibre dans son corps et réparer ce qui doit l'être. Il y a beaucoup d'émotions, il se dégage de lui quelque chose de très touchant. Tout ce qui était Pardon? bloqué, qui n'exprimait pas. Oui, il ne savait pas en fait, donc c'est. C'est comme s'il pleurait là. Extrêmement émouvant. Tu ne te connectes pas à l'émotion, hein? Faut pas Non, que non, non, faut pas non. que ça te plombe, hein? D'accord. Oui, non, c'est même plutôt agréable en fait. D'accord. Oui, Très on bien. y est. Bon, alors pour continuer la séance, on le met dans une bulle christique de protection. Comme ça, on continue tranquillement. Et lui se sentir en sécurité. Oui, c'est fait. Très bien. Alors, on va appeler son soi supérieur. Dis-moi où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il réside et comment tu le vois. Je le vois comme raplapla en fait, comme en ratatiné. D'accord, il est sur quel plan là? Il n'est pas sur un plan. Il est où? Il est comme ratatiné dans une membrane, en fait, entre deux plans. C'est comme s'il n'était pas, il n'était pas installé au bon endroit. D'accord. Ben, il y est prisonnier, là, cette membrane, ça a été créé par l'extérieur ou c'est une conséquence de quelque chose? C'est pas qu'il soit prisonnier, oui, c'est comme si c'était enfoncé en fait. Ah, il est descendu trop bas? Il est descendu trop bas. Il est pas prisonnier, mais là il peut pas remonter. Enfin, il pouvait pas jusque-là remonter en fait. Il était D'accord. raplapla. Ok. Très bien. Et son âme, alors, si tu appelles son âme, comment tu la vois? Je sens quelque chose de très lourd, très lourd. Comme si elle avançait difficilement, D'accord, ok. très chargée. Ouais. Bon, tu coupes avec elle. C'est pas la Oui. peine de. Tu coupes. Allez, on va aller directement. Dis-moi combien est-ce qu'il a eu de vie humaine incarnée sur Terre? 122. 122 vies. D'accord. Et avant la toute première vie, il était où? D'où est-ce qu'il venait? J'entends Orion. Orion. Ok. Et c'était quoi ses raisons de venir s'incarner sur Terre? Quel était son but initial? Je
Il est en train de m'expliquer, je trouve les bons mots, c'est comme s'il voulait expérimenter l'expression terrestre, avec tout ce que cela comporte, à travers une autre personne. C'est comme s'il voulait vivre cette incarnation, expérimenter le fait de vivre cette incarnation, mais à travers une tierce personne. Comment ça, une tierce personne? Comme si ça... Comme si... Comme en déléguant sa conscience, en fait. En déléguant sa conscience? Ouais, c'est vraiment difficile à expliquer. Mais ça veut dire quoi? Il utilise une personne qui est déjà incarnée, c'est ça? Oui. Donc il la possède? Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. Alors c'est le phénomène Walkin? Est-ce que c'est le phénomène? Je sais pas ce que c'est, explique-moi. C'est-à-dire que Walkin, c'est une personne qui est vivante comme toi et moi, qui va quitter son corps et l'entité arrive pour prendre sa place. Non, c'est pas ça. Ah. Attends. Je vais arriver à trouver les bons mots. Regarde ce qu'il fait. Regarde là, regarde ce qu'il. Comment il est dans l'incarnation, dans une incarnation, comment il s'y prend. Tu auras les infos. Il rentre dans son incarnation, dans un corps qui lui est propre. D'accord, dans donc, une conscience qui lui est propre. D'accord, mais il passe par une naissance. Oui, il passe par le, ah, le processus normal, j'ai envie de dire. Hmm. Mais c'est comme s'il était venu expérimenter... la physicalité. Oui, la physicalité, mais en déléguant la physicalité nue, j'entends. La physicalité sans rien d'autre, en fait. Brut, en déléguant tout ce qui est pas de conscience, pas de mais à qui il délègue? De toutes les autres formes d'expérimentation à d'autres personnes en fait. Eh ben ça dépend du moment de sa vie. C'est pas clair, je vois pas ce que ça veut dire. Je vois pas. Il est en incarnation, qu'est-ce qui se passe alors? Choisis un moment où ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc il est incarné, il habite ce corps, et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ah ouais, mais j'ai compris. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive dans l'incarnation, il est déjà complètement interféré. Ah. Et donc, en fait. J'avais pas vu cette étape. En fait, ça l'oblige à. Enfin, ça l'oblige. Il n'a pas le choix de pour continuer, à, ne serait-ce qu'à vivre, à déléguer. Il y a toujours cette notion de déléguer. En fait, c'est comme s'il était en intraveineuse avec une autre personne. En l'occurrence, là, je vois son épouse. Mais par exemple, enfant, c'était, j'entends sa mère, c'est comme si lui, il n'avait jamais pu avoir sa propre vie à lui, quoi. D'accord, il ne voulait pas être autonome. Il ne pouvait pas, en fait. Ah, c'est l'interférence? Oui. D'accord, bon, ok. Bon, tu coupes avec ça? Oui. Et on va le trouver, tu vas sur le plan moronciel. Tu vas aller le chercher avant la toute première expérience dans la forme. Ok? Donc tu vas sur le plan moranciel, avant toute forme. 1, 2, 3. Oui. Comment tu le vois là? Où le perçois-tu? Je le vois comme une énergie, comme un ovale longiligne, d'une couleur jaune pâle. D'accord. Alors demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là.
Oui, je sais. Donc il sait qu'on va lui proposer de refaire toute sa ligne de création et sa ligne de temps, traverser la zone archaïolique et matricielle pour arriver directement dans cette incarnation en tant que Pascal. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Oui. Très bien. Est-ce qu'il connaît tous les pièges matriciels et archaïoliques? Oui. Donc il sait comment descendre en toute sécurité. Maintenant, oui. Ok, alors c'est le moment, on y va. Tu me dis lorsqu'il est arrivé. Oui. Très bien, alors demande-lui quel est son projet pour cette incarnation, alors, dans cette nouvelle ligne de temps, bien sûr. Je le vois comme... Il me montre en train de se développer. Donc, son projet, c'est de développer ses capacités, de faire, en fait, plutôt d'habiter toutes ses capacités dans ce corps, dans cette vie. Oui. Et il me Oui. montre, pardon, il me montre comme s'il traversait cette vie sans, comme si ça glissait en fait, sans embûches, sans. D'accord. Facilement, tranquillement, Facilement, oui. tranquillement et agréablement. Oui, c'est ça. Il n'y a Très rien qui bien. ressort en particulier que ça. Ok, très bien. Alors, c'est le moment où il descend dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment il arrive en étant à 100% dans son corps. Je le vois à 6 mois, in utero. 6 mois, d'accord. Il est connecté à quel pourcentage à son naissance à 6 mois? 82%. 82. Ok. Alors propose-lui de se connecter à 100% maintenant. Oui. Très bien. Maintenant, tu lui proposes de se faire des racines. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Très bien, il regarde son arbre généalogique et il décide de ce qu'il veut faire, s'il veut couper partiellement, complètement, réaménager, transmuter ou autre. Il coupe pas tout. Je vois qu'il coupe pas tout. D'accord. Je vois couper certaines branches et en fait, il fait pas de réaménagement. Il coupe. Ce qui coupe, il le coupe. D'accord, mais dans ce qui reste, il faut quand même qu'il n'y ait pas de programmation qui soit limitante pour lui, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan mental, ou émotionnel, ou sur d'autres plans. Oui. Donc il veille à regarder tous ces plans-là pour qu'il soit complètement connecté à son intelligence intérieure, à sa source, à toutes ses parties supérieures, qu'il ait accès à toutes ses capacités, son potentiel créateur. Sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, surtout. Oui. C'est bon? Oui. Je le vois sourire, donc oui. D'accord. Maintenant, il regarde son ADN. Il fait la même chose, avec la même visée. Une santé parfaite, qu'elle soit mentale, physique et émotionnelle. Tout équilibré. Que tout ce qui en empêche, il élague, il transmute, il remplace. Mais Très bien, maintenant tu regardes l'ADN du trafic de l'humanité au tout début.
Oui. C'est bon? Oui. Ok. Bon, il va envoyer de l'amour dans le ventre maternel. Il va préparer sa naissance et tout autour. Et c'est maintenant qu'il vient au monde. Oui, il est là. Très bien. Maintenant, il remonte toute sa ligne de vie jusqu'à ici et maintenant. Il reprogramme chaque seconde de son existence à la lumière du rappel de qui il est, de pourquoi il est là. Et avec sa puissance créatrice, son autonomie, sa souveraineté, sa liberté. Et il revit chaque seconde de sa vie, dans tout ce qu'il a vécu, toute situation, interaction, événement, toute création, tout ressenti, etc. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va effacer l'ancienne ligne de temps. Donc on va dire que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, toute trace, mémoire, empreinte et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé totalement, complètement, définitivement. 1, 2, 3. Oui. Très bien, maintenant ils rompent et effacent avec tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Voilà. Donc maintenant ils rompent avec les lois matricielles et archaïques du karma, avec tous les archétypes et les égrégores. Dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Maintenant, ils rompent et effacent avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Maintenant, il efface toutes les peurs, les pensées racines, et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tout contrat, dispositif, implant, technologie de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. C'est fait. Maintenant, on efface toutes les mémoires akashiques, il garde que ce qui est intéressant pour lui et nous éliminons tout le reste. Donc, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas le scanner et tu vas vérifier tous ces corps. Tu regardes si tu vois des marquages ou traçages archaïques ou matriciels. Non, il n'y a rien. Très bien. Alors, il va entrer dans son corps, dans tous ses corps. Ça va? Oui. Très bien. Tu n'as pas de besoin, ça va? C'est bon pour toi? Oui, ça va, merci. Bon, tu le dirais, hein? Oui. Alors, il va entrer dans tous ses corps, comme un téléchargement, jusqu'au plan physique,
jusqu'à sa biologie. Et fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. Comme 8, mais étiré, allongé. D'accord. Ok. Donc il va lui demander de procéder aux harmonisations, rééquilibrage de tous ses corps, systèmes, fonctions, organes. Et pour ça, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui. La cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère de son corps à l'atome primordial. Oui. L'électron mère de son corps à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Neutron mère au neutron primordial. Neutrino mère au neutrino primordial. Tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Maintenant, il va connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Désactiver. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Très bien. Alors on va faire une chose que tu n'as encore jamais fait. C'est l'activation du code de vie. On l'a fait hier soir, oui. Ah, on l'a fait? Ah, je croyais que tu ne l'avais pas fait, toi. D'accord. Hier Bon. soir. Donc tu sais de quoi il retourne alors. Il Oui. s'agit de son code personnel qu'il crée lui-même, Qu'il faut pas hein, donner. qu'il ne doit pas donner, et donc qui est crypté et inviolable. Que Et je ne ça dois le... pas donner, tu m'as dit hier. Hein, Que c'est tu ne ça? dois pas donner, et voilà. Bien sûr. D'accord. Donc, il active son code de vie. Très bien. Ça veut dire que ça le rend inviolable sur tous les points, sur tous les plans. Très bien. Maintenant, on va activer l'arbre séphirotique. Activé. Placer et activer une fleur de vie. Placer et activer une graine de vie. Oui. Maintenant, je vais citer l'ensemble des systèmes principaux. Donc, il demande à son élémental de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, guérison, etc. Tout ce qu'il faut. Dans le détail de chacun d'eux et dans le global. Et ensuite, dans la globalité de tous, en relation et en synergie les uns avec les autres. Donc, tu m'excuses, mais des fois, en ce moment, j'ai du mal à articuler mes mots. C'est comme si j'avais une bouche engourdie. Ah, mais c'est comme moi Mais alors. je, On a le oui, même symptôme. mais c'est l'énergie, c'est un travail qui se fait. C'est Donc, c'est ça. normal. Mais j'ai du mal à articuler. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec, hein. On s'affole pas. La vie est Non. quand même belle et on arrivera à faire ce qu'on veut faire. C'est ça. D'accord? Voilà. Donc, avant ces systèmes, tous les systèmes, on va travailler sur l'Atlas. Ah Ça, oui, tu l'as fait. on On l'a l'a fait fait hier aussi hier. soir aussi. Ouais. D'accord. Allez, donc tu sais comment faire. Oui. Donc, on remet l'Atlas en place et faire toutes les connexions dans la colonne vertébrale, chacune des vertèbres également jusqu'au coccyx. Il faut d'abord mettre tout ça dans un dôme protecteur. Tu mets tout ça dans un dôme de protection avant de faire ça. C'est un dôme dans lequel tout est, on va dire, préparé à l'intérieur, comme aseptisé, tu vois. D'accord. Voilà.
Et si tu veux, tu peux décrire ce qui se passe. Je vois à peu près la même chose qu'hier, en fait, au niveau de l'atlas. Oui. Il bouge légèrement jusqu'à trouver sa bonne place. Voilà. Et l'énergie pénètre le long de la colonne vertébrale, comme chaque vertèbre, clac, 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 se remet pile dans leur alignement, en fait. Très bien. Et ça redescend jusqu'au coccyx. Et là, je vois une grande lumière qui éclate, en fait. Très bien, tu me diras quand c'est terminé. Chaleur. Oui. Très bien. OK, donc on va maintenant on va faire les systèmes, tous les systèmes principaux. Avant ça, on va effacer toutes les mémoires donc de cet ancien système qu'on va remplacer. Donc on efface toutes les mémoires. 1, 2, 3. Effacer. Très bien. Alors, système cérébrospinal. Il peut se servir de l'arbre séphirotique pour tout Ouais. remettre en ordre. Système nerveux. Oui. Système sanguin avec toutes les filtrations. Nanotechnologie, vaccins, substances étrangères, médicaments, radioactivité et tout ce qui est étranger, donc au sang d'origine, jusqu'au plan informationnel. Oui. Système lymphatique, idem, toutes les filtrations. Oui. Système énergétique, donc des méridiens avec tous les points connus et inconnus. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, etc., tout ce qui est afférent et attenant. Je vois qu'il y a des consolidations, oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui, régulé. Système respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Alors là, système visuel. Donc on attaque les cinq sens. Alors je vais te dire, c'est nouveau dans le protocole. On a pu voir qu'il y a des programmations derrière les globes oculaires qui changent un peu, qui changent la vision, qui permet de, comme s'il y avait un voile déformant. Est-ce que tu le vois? Alors, chez Emmanuel, elle le voit derrière le globe oculaire, et chez comment Gaël. chez Gaëlle, elle voit une programmation dans le cerveau. Donc toi, tu cherches et tu regardes. Moi, dès que tu en as parlé, je les ai vus derrière les globes oculaires. Très bien. Alors, il semble que c'est peut-être différent pour chaque personne, je ne sais pas. Oui. En tout cas, tu fais ce que tu vois. Oui. Donc, on élimine avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Maintenant, système auditif. Alors, la même chose. Alors, regarde si c'est s'il y a un système qui est spécifiquement auditif, ou si c'est un système global qui englobe les cinq sens. Je vois quelque chose dans la. Ce qui me vient, c'est trompe d'Eustache. Ouais, trompe d'Eustache, d'accord. Ok, et qu'est-ce que tu y vois dans la trompe d'Eustache? Ce dispositif-là. Très bien. Alors on élimine avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Oui. Le système olfactif et gustatif. Pareil, cherche le dispositif. Il est
entre le nez et la gorge, là derrière la glotte au-dessus, à l'intérieur. D'accord. OK. Supprimer avec trace mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Oui. Système kinesthésique. Où tu le trouves celui-là? Ici, de chaque côté. D'accord. OK. Alors on élimine avec trace mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Oui. Système dentaire. Donc avec tout ce qui est attenant et afférent. Hein. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. L'équilibre acido-basique. Oui. Les cycles vitaux organiques et systémiques. Oui. Alors, donc ce qui est encore nouveau, je ne sais pas si tu l'as fait hier ou non, c'est l'ostéopathie globale. Ah oui, on l'a fait hier, oui. Très bien. Alors allons-y. Ostéopathie générale, de la tête aux pieds. Et tu peux décrire ce qui se passe, puisque lorsque Pascal va écouter la vidéo, eh bien, c'est important Oui. qu'il comprenne. Oui. Ben pareil, je vois à peu près le même processus qu'hier, c'est-à-dire que Non, mais moi, c'est pas pour moi que tu le dis, c'est pour non, mais lui. Donc, je vais lui décrire. quand tu dis même processus qu'hier, il va pas comprendre, du coup. Bon, mais Pascal, regarde la vidéo d'hier. Donc, je vois que dans le détail, tout son corps se remet dans sa perfection, en fait, que ce soit à tous les niveaux, finalement, au niveau ossature, au niveau musculaire et au niveau des organes. Ça prend comme la forme initiale, en fait, ça accélère la vascularisation et donc le travail qu'a à faire les organes, qu'ont à faire chaque organe, ça les rend performants dans ce qu'ils ont à faire. Très bien. OK. Parfait. Bon. Et alors, donc ça c'est fait. Maintenant, on va travailler sur les chakras, donc les sept chakras principaux, avec les glandes associées. Donc décalcification, nettoyage, activation, reliance et optimisation de chacune des glandes. Et bien sûr, de chaque chakra, évidemment. Oui, je vois que tout s'allume, se met à tourner. Oui. Chakra secondaire. Oui. Chakra souterrain. Oui. Chakra aérien. Oui. Et les corps associés aux chakras principaux. Oui. Très bien. Alors, pendant que son élémental continue à travailler, nous, on travaille sur sa liste. D'accord? Oui, d'accord. Donc, il est bien question que c'est sur l'ancienne ligne de temps. C'est Oui. pour les compréhensions, c'est pour affiner le travail. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors. Donc il ne sait pas exprimer ses sentiments, ses émotions, il ne sait pas créer des liens. Donc qu'est-ce que tu peux dire? Ah, mais il n'était pas en capacité de le faire parce Voilà. que le système dans lequel il était lui bouchait les oreilles, lui cachait les yeux, la bouche. Enfin, Il il était avait. vraiment fermé, quoi. Ah D'accord. oui. OK. Enfin, ça, c'est évident pour nous, mais je Oui, préfère qu'on y va écouter. Hein? comme tu dis si bien, mais ça, c'était avant. Voilà, ça c'était avant. Oui. Alors, donc il avait des colères aussi, hein, des colères intériorisées, puisqu'il ne les exprimait pas.
Donc on a vu aussi, mais bon, vas-y. Oui, en fait, c'est ça. Il était en circuit fermé, en fait. Il fonctionnait en circuit fermé, donc c'est comme si ça procédait à, je dirais presque une autodestruction interne. C'est ça, ce qui ne sort pas, tu Ouais. détruis, quoi. Bah oui. C'est ça. Ok, tension oculaire. D'où est-ce que ça venait, cette tension oculaire? De sa position tête en bas. Ah, d'accord, ok. Ça crée un afflux de sang, en fait. Est-ce que les orgelets qu'il a à l'œil droit, ou qu'il a souvent à l'œil droit, c'est une conséquence de ça ou c'est autre Oui, chose? c'est tout à fait ça. Et pourquoi l'œil droit et pas le gauche alors? Tout s'est concentré de ce côté-là, en fait, de par Sur sa la droite? position. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Les colères dont on parle, regarde, vérifie qu'elles aient bien disparu de tous ses corps, ou s'il reste des traces mémoire ou empreintes. Non, il n'y a plus rien. Tout Très est bien. comme éjecté vers l'extérieur. Ouais. Parce que normalement, il aurait resté, mais bon. On vérifie. Il a des maux Oui. de tête. Regarde d'où viennent ces maux de tête. C'est pareil, sa tête en bas, là, vraiment, la tête était presque au niveau des pieds. Ah Donc, oui. tout cet afflux là, dans la tête, en fait, ça crée des tensions, quoi. D'accord, c'est la raison pour laquelle il a souvent le visage rouge aussi. Oui, ah C'est ben l'afflux du voilà, sang. oui, ah oui, L'afflux du sang quand exactement, il... D'accord. Ok, donc bien sûr, tout est régularisé. oui. Bien entendu. Les tremblements qu'il a de la tête, qu'est-ce qui se passe là par contre? Ça, ces tremblements, ce sont les secousses des pastilles qu'il avait sur la tête. Ah. C'est des charges électriques qui le traversaient là. Ah, d'accord. Ok. Il est très sensible au bruit. Donc, qu'est-ce qui lui fait cette sensibilité? En fait, c'est comme si lui, ce qu'il appelait bruit, ce serait des sons qui pour nous sont. Banal. Oui, Oui, voilà. c'est une hypersensibilité. Ok, mais ça, d'où ça lui vient? Ça, j'avais compris. Mais d'où est-ce que ça... Ça lui vient de cette coquille dans laquelle il était là. Oui. De temps en temps, c'est comme si ça se perçait en fait. Et du coup, tout d'un coup, ces sons lui arrivent très fort. D'accord. C'est comme si tu as la tête dans le coton ou même avec un casque, c'est cotonneux en fait les sons. Et tout d'un coup, ça devient hyper fort Hyper en fait. agressif. Oui, d'accord, ok. C'est comme si ça arrivait à des moments où il se réveillait, où il y avait comme des prises de conscience, et d'un coup ça créait une énergie qui arrivait à percer cette coquille, et là du coup il avait toute cette arrivée de comme une agression finalement. D'accord, très bien, je vois. Donc le fait qu'il soit très négatif, hein, bien sûr, évidemment, il ne peut pas être positif dans cette situation. Manque de confiance en lui. Enfin, tout ça en Oui. même temps, hein, c'est tellement évident par rapport à ce qu'on a vu. Bon, mais qu'est-ce Oui, que tu peux voilà, dire? hein, tout Enfin, était. voilà, c'est normal. Il est renfermé sur lui, il Il supporte pas les autres, il supporte pas était. les bruits, il est mal dans sa peau, il pas confiance en lui. Enfin, tout ça, Oui, c'est des voilà. conséquences. Hein. Ok, Tout est. je cherche justement des Tout est points. lié, ouais. Ouais. Donc, il s'isole, évidemment, puisqu'il est isolé dans sa bulle, donc hop, dans son œuf. Très vite fatigué, forcément. Oui. Rigidité corporelle, pareil. On a compris pourquoi. Ben Parce que oui, tu l'as parce vu. qu'il était Très comme une rigide, statue, statifié, oui. voilà. Hein. Donc on va pas y revenir. Il a été opéré de la cheville gauche et donc il y a quand même une vingtaine d'années, il a toujours mal. Regarde pourquoi il a toujours mal aujourd'hui.
En fait, je vois les os comme s'ils n'étaient pas dans l'ancienne ligne de temps, parce que pour ça que j'ai vu l'élémental tout à l'heure qui s'arrêtait là-dessus, sur les os, comme s'ils étaient revenus, s'étaient ressoudés de travers en fait, Ah oui. et comme si l'os il appuyait dans les chairs, D'accord. Ah oui, ça crée une mal ajusté, inflammation. du coup. Ah oui. Donc là, en ostéopathie, il l'a remis en place. Oui. Très bien. Alors évidemment, c'est peut-être pas tout de suite que ça va être. Il faut un temps pour la biologie, hein. Donc, et puis on ne promet rien, c'est expérimental. Oui. D'accord. Il y Mais a une en même temps, tout est cicatrisation possible. intérieure qui va se Voilà. faire et être accélérée par... Voilà. Oui, tout à Je fait. ne promets rien, je dis que tout est possible. Hein. Donc on laisse toutes les portes ouvertes et sans rien promettre. Voilà. Donc, ok. Alors qu'est-ce qui fait qu'il rêve souvent de Dominique, sa femme? Au moins 2 fois par mois, il rêve d'elle. Il la cherche, ou enfin bon, plein de sortes de rêves à propos de Dominique. Pourquoi est-ce qu'il rêve tout le temps d'elle alors? Ce qui me vient, c'est elle le maintenait en vie. Elle le maintenait en vie. Et lui, il rêvait d'elle comme pour se rassurer qu'elle était toujours là, qu'il y avait toujours ce lien. C'était son lien à la vie, en fait. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle ligne de temps, ce serait plus pareil. On est d'accord. Non, oui, c'est pour ça que Il est je parle autonome. au passé. Ouais, il n'y avait pas d'autonomie en fait. C'était comme si Oui, il était il perdu, était quoi. sous perfusion d'elle. Ouais, perdu, isolé. Et puis donc. Je t'entends très mal donc. Tu m'entends mal? Attends, là tu m'entends mal, là? Oui, d'un coup, je t'entends très mal. Et là, tu Là, c'est m'entends mieux. bien? Ah, bon. Donc je dis, il C'est était mieux. perdu, isolé, donc, etc. Donc, quelque Oui. part, Dominique était là pour l'aider. Quel lien il y a entre Dominique et lui? Alors, regarde. Je veux dire, est-ce qu'ils se sont connus dans d'autres vies? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont incarnés ensemble dans cette vie? Il y a une notion d'équilibre en fait D'accord. par rapport au projet d'incarnation de Dominique, il correspondait parfaitement. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils se connaissaient avant cette incarnation? Je sais pas ce qui se passe avec ton micro, je t'entends vraiment pas bien. Ah bon, mais pourtant pour moi, je ne sais pas quoi te dire là. Tu m'entends pas Tout bien d'un là? coup, ça a changé. D'accord. Bon, mais... Non, mais ça vient peut-être de chez moi, alors je sais pas. Je ne sais pas. Regarde, attends, regarde les ordinateurs. Regarde ton ordi, regarde le mien. Regarde s'il y a des interférences d'abord. Regarde s'il y a une cause ésotérique. Il y a comme une... C'est comme si une partie du réseau était pompée, en fait. Il est pompé par quoi? C'est comme un égrégore. C'est de ton côté ou de mon côté? J'ai le sentiment que c'est de ton côté. D'accord. Un égrégore s'est connecté à mon réseau. Oui, c'est comme des pensées de personnes qui n'aiment pas ce travail. Ah d'accord, ok. Donc on va couper ces égrégores. On coupe tout. Allez, 1, 2, 3. Et on va sécuriser les réseaux et l'ordinateur. Oui. C'est bon? Oui. Très bien. Est-ce que tu m'entends mieux là? Oui. Parfait. On peut continuer.
Alors, nous en étions où? Oui, alors je te demandais si ils s'étaient connus ailleurs que sur Terre, donc Dominique et Pascal. Oui, Ah. ils étaient sur Orion ensemble. Ah, d'accord. Donc ils ont prévu de se rencontrer sur Terre et de s'entraider, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Alors, une dernière chose, donc il a un compteur Linky dans son studio. Bon, on ira voir quand on traitera l'appartement. Hein. Oui. Ok. Bon, est-ce qu'il y a une autre chose que j'avais notée? Alors oui, lorsqu'il a fait un jogging, il a eu un malaise. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regarde. Son corps était arrivé à épuisement en fait. Ah, d'accord. Et il y a toujours ce problème de sa position qui a créé des soucis de circulation de son sang et de la pompe envoyait plus correctement. Enfin, tout était désorganisé en fait. D'accord, ok. Très bien. Bon, mais ça, c'est fini. Et dernière chose, il a des hémorroïdes. Regarde. Pareil. De la circulation du sang. Ok. De toute façon, il a fait ce qu'il faut. Tout est rétabli. Oui. Hein? On a tout réinitialisé. Tout est nickel et neuf. Très bien. Il a quand même programmé son. Regarde son corps mental. Regarde, c'est des programmations, puisqu'il est quand même assez négatif de par Oui. réaction, hein, de par cet Oui. état de fait. Je pense que beaucoup d'entre nous serions Dans son corps mental, pareil que lui. il y a des réflexes. Il y a des réflexes, il n'y a pas de Ouais, programmation. des réactions réflexes, en fait, qui Très restent. bien. Non. Alors on élimine avec trace, mémoire, empreinte et tout système reproducteur ou duplicatif. 1, 2, 3. Il ne reste rien. Regarde s'il y a d'autres choses comme programmation ou autre dans le corps mental. Tu cherches tout ce qui est délétère, qui est limitant, qui est aliénant. Non, je le sens, c'est clair là. Très bien. Alors il va programmer lui-même son corps mental. Il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est en parfait équilibre, qu'il a la puissance créatrice illimitée, qu'il est libre, autonome, et qu'il aime et apprécie cette liberté et cette autonomie. Il la savoure. Oui. Très bien. Maintenant, je veux qu'il ressente ça en termes d'émotion ou de sentiment. Oui. Et maintenant, il en informe la cellule mère, qui va informer toutes ses cellules de son corps. Donc, il faut que ce soit un ressenti complet dans tout son corps. Oui. Comment tu le vois maintenant? Il est comme ça, là, la poitrine en avant. Il est puissant, il est face au monde. C'est ce qui vient. Bien. Voilà, c'est jamais trop tard. Non. Ok. Alors, maintenant, nous allons continuer le protocole. On est arrivé à la fin de la liste. Et donc, on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'une autre personne, comme dans des dons du sang, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, peu importe. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Couper, désactiver. Coupé. Très bien. Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être dans tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. Couper, désactiver, éliminer. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver avec toute photo, image, objet en lien avec lui. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver
ou et éliminer ce qui peut l'être, toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. Allez, couper, désactiver, éliminer. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, activation du diamant du cœur. Oui. Connexion à la grille cristalline. Connecté. Connexion à la grille magnétique originelle. Connecté. Connexion à la particule adamantine originelle. Connecté. Connexion au soleil central. Connecté. Activation de l'implant neutre. Activé. Bon, on va lui faire le processus de rajeunissement. Oui. Donc, il va activer la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celles du rajeunissement et de la régénération. Oui. On va faire suite de la guérison instantanée. Donc il verra lui-même ce qu'il veut guérir. Donc il place sa conscience dans l'espace mentionciel. Oui, elle y est. Il fait descendre l'information jusque dans les parties bloquées ou à réparer. Oui. Activation de l'arbre séphirotique en tant que gabarit de perfection initiale des organes, systèmes et fonctions concernés. Oui. Voilà. Ben maintenant, on va regarder son ADN. Tu vas me dire combien tu vois de brins d'ADN de connectés. 9. 9. Combien il y en avait avant la séance? 5. Est-ce qu'il peut en rajouter d'autres? Non. Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Il va prendre possession de son être. Il va pouvoir entrer en communication intérieure et en communication avec les personnes autour de lui. Mais je le vois également développer des ressentis. Je sens que ça passe par les paumes de ses mains. Ah, des capacités de guérison, tu veux dire? Oui, il y a de la chaleur qui sort de ses mains. Très bien. Pour se chauffer pour l'hiver? Oui, mais il n'aura rien à faire, juste à poser sa main. Juste à poser ses mains. T'as entendu ce que j'ai dit? T'avais pas entendu, Ben, j'étais concentrée, moi, hein? monsieur. Oui. Il aura juste à poser ses mains, en fait, sur une partie Oui. douloureuse, mais sans rien faire d'autre. Très bien. Ok, juste avec l'intention quand même. Oui. Voilà. Ok, bon, alors dis-moi combien de temps il va falloir pour intégrer cette séance. Bien sûr que ça va varier en fonction de son attitude, mais bon, quelle fourchette de Oui. temps? Je vois entre 6 et 12 mois. 6 et 12. Avec le 9 qui ressort en prééminence. Oui. Qui semble être un point culminant. Ben, c'est normal, il était dans le 9. C'est à fond ce soir. Attends, je suis en train de me réveiller, ça y est.
Oui, le 9, c'est ça. Le 9. Ok. Bon, ben on va aller voir ton domicile. Hein? Alors, regarde déjà ton domicile, comment tu le vois? Tu fais le tour, regarde si les portails, tunnels, ouvertures ou autres, Alors, dispositifs, implants. lequel? Parce que je Eh pensais bien, qu'il avait tout. son appartement à Paris, là, D'accord. son studio. Il y a comme au plafond, ça fait comme un nuage de fumée. Je vois un dispositif qui envoie ce nuage de fumée. En fait, c'est comme des micro-particules. Nanotechnologie ou... Oui, c'est ça. D'accord. Qui entrait en résonance avec les pastilles qu'il avait à la tête et aux pieds, en fait. D'accord. Ok. Bon, alors on fait une grosse tornade, on élimine tout, hein. La fumée et le générateur de fumée. D'accord. Et tout ce à Oui. quoi c'est connecté d'ailleurs. Et à quoi c'est relié tout ça, dis-moi? Ça m'amène tout de suite au vaisseau qui est en Vaisseau. arrière-plan tout à l'heure, oui. Ok. Et il est encore là le vaisseau? Non, il est parti Ah, il a quand. dégagé, hein. Non, mais je sais. Oui. Ok. Donc on élimine tout, allez, grosse tornade. Allez, hop, il dégage tout. Tout ce qui a été vu et pas vu, tout ce qui est étranger à l'appartement. Et ça nettoie tout. Donc les murs, le sol, le plafond, objets, meubles, etc. Tout est nettoyé et purifié. Oui. Regarde si l'appartement est situé sur une zone tellurique ou une zone perturbée, géobiologique ou énergétiquement. Je sens des remontées par le sol, des remontées, oui. Et ça vient du sous-sol? Ça vient du sous-sol ou ça vient des voisins du dessous? En fait, ça vient du sous-sol, ça traverse. Ok. Donc on va isoler les sous-sols. C'est quoi? C'est une faille? C'est des cours d'eau? De quoi ça vient? Non, je vois pas d'eau. Je parlerai plutôt de faille, oui. D'accord. Alors tu fais une dalle énergétique suffisamment épaisse pour que rien ne puisse traverser. Tu mets des tuyaux évacuateurs sur les côtés pour que l'énergie ne stagne pas, ne devienne pas une autre nuisance et que ça soit évacué loin des habitants. En tout cas, que ça ne pollue pas d'autres personnes. Oui. Et tu programmes la dalle pour rester pérenne, stable dans le temps. Oui. Très bien. Maintenant, il va installer partout fleur de vie, plaque de Tesla, graine de vie activée. C'est pas grave pour le bruit. T'occupe pas du bruit, c'est pas grave. Je crois que c'est tes enfants. Tu veux aller Non. voir? Non. Bon. Il sait qu'il ne doit pas rentrer. Alors, fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie activée. Oui. Très bien. Sur le compteur général, on met un gros diamant. Attends, c'est un compteur Linky. On va d'abord l'isoler. Tu fais une décote protectrice multicouche. Tu fais en sorte qu'il n'y ait plus aucune radiation, plus aucun rayonnement, ni fréquence. Donc, tu fais un multicouche. Ouais, il est Tu isolé là. le programmes pour être indestructible dans le temps. Oui. Par-dessus, tu mets un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, tu mets une fleur de vie, une graine de vie activée. Oui. Sur le plafond, tu mets un gros boîtier qui va filtrer l'air avec les nanoparticules et qui va produire l'effet Niagara. Et on peut y mettre aussi un parfum qui peut le rendre joyeux et gai et optimiste. Choisis un parfum ou Prestagada. laisse. Ok, allez, ça le diffuse en permanence, qu'il le rende joyeux, gai et optimiste. Ok? Très bien. Ok. D'ailleurs, je le rajouterai dans mon protocole, ça.
Ah C'est ouais, nouveau, c'est. ça vient de sortir. Ouais. Ah, C'est c'est pas mal. positif, hein? Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, il faudrait que j'y pense, mais je vais me le noter. Ouais. Donc, ok, maintenant il remplit tout son espace de son énergie. Oui. Il met son appartement dans une bulle christique, or, diamant et bleu. Oui. Et lui-même dans une bulle christique qu'il peut activer, désactiver à volonté, et rien que lui. C'est fait. Très bien, on va faire le domicile de Dominique, puisque je suppose qu'il vient de temps en temps chez toi, Dominique. Oui, alors, on fait le domicile de Dominique. Je vois pareil cette fumée sombre là. Allez aussi, ok. Donc une grosse tornade. Allez, pas de détails. Oui. Très bien. Sous le domicile, tu vois des perturbations? Non, je sens rien de particulier. Très bien. Autrement, tu vois rien d'autre. Donc, tu as tout nettoyé, la tornade a tout nettoyé. On est d'accord. Oui. Installation des fleurs de vie, graines de vie, plaques de Tesla partout. Activé. Oui. Très bien. Sur le compteur général, on met un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui. Avec une force de vie et une graine de vie. Mais installé. Très bien. Sur le plafond, on met le gros boîtier qui va filtrer l'air et d'un autre particule et produire l'effet Niagara avec un parfum de son choix. Qu'est-ce qu'on lui met comme parfum qui lui irait? Dominique, elle dit et qu'elle veut du muguet. Eh bien, allons-y. Oui. Très bien. Elle remplit son espace de sa propre énergie. Oui. Elle met une bulle christique autour de son appartement ou de son domicile. Oui. Une bulle christique autour d'elle. Oui. Très bien. Voilà. Bon, on va appeler soit supérieur de Pascal. Tu vas me dire, tu vas lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. Ben, il dit que c'était le moment de le sortir de là. Oui. Il lui dit, en fait, il s'adresse directement à Pascal. Il lui dit qu'il est plus tout seul, en fait. Il n'a jamais été seul, mais maintenant, il lui dit de prendre conscience qu'il n'est pas tout seul. Qu'il est épaulé et aiguillé même. Il lui dit maintenant tu peux avancer sereinement. Et il lui montre de ne pas regarder en arrière. Il lui montre vraiment devant, l'horizon. Très bien. Ok. Appelle son âme pour voir comment tu la vois. Libéré. Bon. C'est le mot qui vient. Libéré. Libéré. Très bien. Ok. Eh bien, écoute, on va les laisser continuer maintenant leur chemin dans cette nouvelle ligne de temps, dans cette nouvelle association, ce nouveau partenariat, hein, complètement relié. Et dans cette nouvelle version de Pascal. Voilà, donc j'espère que sa partie physique saura profiter de ce qui est de cette opportunité, hein, Oui. pour intégrer toute cette séance, tout ce qui a été mis en place, complètement réinitialisé, hein, sur tous les plans. Donc nous, on va redescendre nos fréquences.
Oui. Nous allons nous réancrer, alors jusqu'au cœur de Gaïa, un bon ancrage. Oui. J'en ai besoin. Moi aussi. Arrêtez. Très bien. Qu'est-ce que tu veux, une régénération ou préparation au sommeil? Préparation au sommeil. Très bien. Alors, tu demandes à ton élémental de te programmer pour dormir dans un sommeil profond, récupérateur, régénérateur, serein et un réveil plein d'énergie, plein d'optimisme, de joie. Donc, au moment où tu vas te coucher et dans l'intention de dormir, que le programme se déclenche automatiquement. Au moment où tu te couches dans l'intention de dormir, uniquement bien sûr, que tout le programme se déclenche du sommeil et d'un réveil plein d'énergie, d'optimisme, de joie. Oui. C'est bon? Ouais. Très bien. Allez, on va inviter donc Pascal à la douche énergétique. Et puis on va inviter Dominique également. Ça fera pas de mal. Si elle veut, bien sûr. Chacun trouve son portail. Et nous le nôtre, évidemment. Et chacun est sous cet eau de très haute fréquence, qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons et de parfums. D'ailleurs, à propos de parfums, quel est le parfum qui correspond à Pascal? C'est très fruité. J'ai pas l'odeur, mais j'ai le goût de fraises des bois bien mûres et quelque chose un peu de qui ramène à l'enfance comme ça. Trop bon. Comme certaines sucreries. Oui, mais une sucrerie là qui serait naturelle. Mais oui, le parfum est sucré, un peu sirupeux. Avec ce parfum de fraises des bois. Ah, je vois bien, oui, ça me rappelle quelque chose aussi, ça tient. Et si tu regardes pour allez, soyons fous, pour Dominique, c'est quoi le parfum qui lui correspond à elle? Mais il y a toujours ces effluves de Muguet? muguet, ouais, Ah, elle de aime bien le muguet, muguet, là. très D'accord. présent, ouais. Ouais. Ok, très bien. Alors donc, de parfum, de géométrie et d'informations originelles. Donc, chacun va sentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi. Et la ressentir pleinement. Et la savourer pleinement. Oui. Allez, dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie et une graine de vie activée. Oui. Et on va terminer par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Très bien. Alors chacun va retourner à sa place respective après avoir fermé le portail derrière soi. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Et 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Astrid, comment te sens-tu? Coucou. Très bien. Voilà. Donc, bah, tu peux remettre le son si tu veux, Dominique. Voilà. Je crois pas que t'aies mis le son là, j'entends rien. Non, on t'entend pas. La partie de gauche. J'ai appuyé dessus, Ah, ça voilà. y est, c'est bon. On touche plus Oui, rien. j'avais appuyé dessus, mais bon. Bon, Voilà, ben c'est une voilà. porte qui m'a dit bien. Oui. Bon, alors évidemment, Pascal n'est pas là pour donner ses impressions, ses ressentis, etc. Donc là, il va le découvrir. Oui. Hein, quand C'est pas il va. grave, il va écouter. Je pense que demain, il écoutera la vidéo, il regardera. Voilà. Donc Alors. déjà, elle est déjà disponible sur le Skype.
Quand on va raccrocher, D'accord. hein, tu verras Astrid et Pascal. Donc il y a toutes les vidéos. Donc déjà, il peut les regarder Okay. par morceaux. Et puis dans les jours à venir, il y aura, la vidéo sera sur YouTube, puisque je suis autorisé à la diffuser alors. C'est ça? Un flouté? Flouté, S'il hein? te plaît. Ouais. D'accord. Oui. Ok. Alors, est-ce que je pourrais, parce que la séance a été très entrecoupée pour moi, il y avait, le réseau n'était pas très très bon. Est-ce que ça sera aussi très entrecoupé Ah sur. non, non, pour nous c'est pas coupé, Non? pour nous c'est nickel, D'accord. hein. C'était pas Non, non, coupé pour vous. non, non, Ok. non. L'heure D'accord. Bon, entière, bah, complète. super, super. Voilà. Oui, Donc si tu c'est veux, tu bien peux même ça la parce que regarder j'ai dès pas de temps. maintenant, hein. Dès qu'on a raccroché, tu peux la regarder, Oui. tu cliques sur des petits carrés et tu les verras, hein, les unes après les autres. D'accord. D'accord. Ok, super. Bon, alors à l'attention de Oui, bah Pascal, donc je vais lui expliquer. c'était Donc je vais bien. m'adresser à Pascal, je vais lui dire quand même que bon, il n'a pas assisté à sa séance, mais il y a un travail profond qui a été fait. Donc il se peut qu'il soit remué hein, sur divers plans, donc qu'il ne soit pas bien, qu'il y ait des inconforts ou peut-être même des douleurs, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc savoir que tout ça, si ça se produit, c'est normal, c'est le travail qui se fait, c'est la biologie qui doit s'adapter donc aux énergies qui ont été mises en place. Et donc ça va se faire par voilà, parfois des avancées, des fois des reculades. Des fois, les choses semblent s'aggraver et puis, paf, après, elles avancent, elles s'améliorent, c'est normal. Voilà. Donc, surtout, ne pas dramatiser. OK? Restez confiant, optimiste et puis, pourquoi pas, dans la gratitude, puisque c'est pour, eh ben, c'est pour un nouveau Pascal, hein, dans un futur. On a dit dans plusieurs mois, mais bon. Voilà. Je 6-12 mois, voilà. serais ravie d'avoir un homme. Oui, d'accord, ok. Très Et bien. puis Astrid, Fraise Tagada, il adore. Ah oui. Et Fraise des Bois, il aime beaucoup aussi. Ben C'est un voilà. de ses feux Ah, préférés. je n'avais pas compris. Ah, ben voilà. Et Oui, toi, tu c'est aimes le muguet? voilà. Tu Oui, aimes le muguet? j'adore. Oui. T'adores le muguet? Oui. Ben voilà. Bon, ben tu Je, sais. oui, vraiment, c'est un super parfum pour moi. Ouais. Et ben voilà. Merci beaucoup Bon. à vous deux. Merci à C'était Astrid et un puis merci à toi. super travail. Et ben, bonjour et à Pascal. Et puis ma foi, s'il veut Parfait. me donner À nouveau. des retours plus tard, Des il est nouvelles. là. Autrement, ce sera toi. Ok. D'accord? Entendu. Merci pour ton Entendu. autorisation, en tout cas. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, Dominique. Je À te bientôt. laisse raccrocher. Au Au revoir. revoir.